En tout cas, c'est Arnaud. Arnaud Victor Dorian dans la série Assassin's Creed. Je ne suis que des Templiers à longueur de journée. D'ailleurs, je pourrais changer de cible sur les membres du jury si jamais je perds ce concours. Mais le pire, c'est que je dispose que d'une seule arme. Vous savez, chez Ubisoft, quand vous achetez le jeu, vous n'avez que vos points pour tuer les ennemis. Le reste est en DLC. Donc j'ai dû vendre un rein pour m'acheter Madame Fantôme. En plus de ça, avant que j'en ai compté, je faisais des pubs pour la société comme L'Oréal Paris. Et vous savez quoi? Mon recrutement s'est passé d'une manière originale. Vous ne croyez pas? Eh bien, regardez par vous. Alors, il paraît que tu veux devenir un Jedi. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es prêt? Il n'y a pas deux minutes, j'étais un sorcier. J'en ai marre de bosser avec des incapables. Plein de colère, ton cœur est. Ton côté obscur, cela peut te mener. Ouais, mais j'aime bien, moi, mon côté obscur. Ça fait un peu dark et tout. Ça m'a l'air d'un véritable attardé. Es-tu sûr qu'il est digne de représenter... Ta gueule, femme. On a fondé pour préparer tous les bugs dans la matrice, créés par la perturbation de la force. Très bien. Nous t'acceptons donc dans l'ordre de la confrérie du Phénix et de l'ordre du conseil de... je sais plus quoi, mais en tout cas, ça fait classe. Perso, je trouve pas ça tellement classe. Mais après, si vous laissez partir, ok. Plus qu'un dernier test à réaliser. Donc voilà, je vous avais prévenu, hein. c'est des gens assez chelous, bref. Puis, je tenais à vous dire aussi une dernière chose. Là, vous jouez tranquille, hein, mais bon, vous savez que sur Paris, c'est vraiment difficile hein, de se déplacer. Surtout quand on prend le RER. Hein. Avec ma capuche, je suis pas très discret, donc je me fais tout le temps contrôler. Hein. Votre ticket de transport, s'il vous plaît, monsieur. Eh merde. Donc voilà, pour finir, vu que je n'ai pas trop d'imagination, bah ouais, je tue des gens, moi, je ne suis pas comédien. Du coup, je vais prendre une pause de la mort qui tue sur un gros son, un mode rock, ça.